you? Salut à tous, c'est Ralga pour ce 9e épisode de Regard dans le rétro sur Pokémon Jaune. Donc, nous sommes à l'avant-ville. Nous venons de faire le casino de Céadopol et récupérer Mew. Mew que, en fait, je vais pas utiliser, c'était juste pour le kikou de faire Mew, quoi. Donc, maintenant, nous allons pouvoir... Maintenant que nous sommes à l'envie, nous allons faire la tour Pokémon puisque j'ai récupéré le scope Sylph au casino. Et puis bon, voilà. Hein. Bon, je fais un petit stock de Super Ball. Hop. Et un rappel, ça peut toujours être utile. Un rappel. Hop. Donc je disais, nous allons faire la tour Pokémon. Ouais, alors je suis en train de réfléchir. Oui, c'est bon, j'ai à peu près tout. Sachant que nous avons déjà affronté le rival qui est au début de la tour. Hop. Je remets des repousses en haut, hein, parce que je vais mettre des repousses pour limiter le nombre de combats que je vais faire. Bon, ça sert peut-être à rien, ils sont peut-être trop haut level, mais bon, dans le doute, hein, je vais en mettre. J'en ai. Donc, je disais que nous avons fait le combat contre le rival qui est au début de la tour. Nous l'avons fait dans l'épisode 7, si je dis pas de bêtises. Hop. Hop. Donc, elle, je peux pas l'éviter, je pense. Non, je peux pas l'éviter du tout. Donc forcément, tous les dresseurs ici ont des Pokémon de type Spectre. Hop, donc des Fantominus et des Spectrum. Je crois pas qu'il y ait des Toplasma. Hop. Et en fait, contre les Pokémon Spectre, donc Fantominus, Spectrum et Toplasma, il faut y aller avec un Pokémon Sol, c'est très efficace. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'en fait, les trois Pokémon Spectre de la première génération sont des Pokémon Spectre Poison. Et du coup, le double type Poison les rend sensibles aux attaques de type Sol. Et c'est là leur seule faiblesse à ma connaissance. Et à côté, le petit Spectre les rend complètement insensibles aux attaques combat et aux attaques normales. Ce qui est quand même assez pratique, hein. Faut dire ce qui est. Hop. Un réveil, wow. Hop, on repousse terminé, je vais en remettre du coup. Pour un moment, j'ai pas rencontré un seul Pokémon sauvage. Hop. Bon, toi, je te combats pas. Hop. Bon. Bon, un seul Pokémon, ça va. Un Spectrum, niveau 23, donc le Trio Picker va en faire qu'une seule bouchée. Et c'est un one-shot coup critique. Hop. Donc exorciste vaincu. Et du coup, comme je l'ai fait avancer, elle me libère la place pour y aller. C'est encore mieux. Il me semble qu'il faut que... Mince, j'étais pas obligé de la faire celle-ci. Bon, bah, je vais la faire. Oh là, 3 Pokémon. Allez, 3 Fantominus. Hop, un petit coup de tunnel. Et
J'ai toujours pas rencontré de Pokémon sauvage. Pourtant, ça me paraît bizarre. Le repousse est pas aussi puissant. C'est pas un super repousse, quoi. Hop. Oh bon, allez. Hop, bon voilà, les chouilles, tout ça, tout ça. Et voilà. C'était dur d'affronter ce vainqueur, ce dresseur. Hein. Hop, donc tout ça pour récupérer une précision plus. Ouais, admettons. Bon, ouais, je peux pas l'éviter. Hop, un seul Pokémon. Un Fantominus, c'est original. J'ai l'impression d'être dans la grotte avec que des dresseurs avec des racailloux, quoi. Hop. Donc voilà, non, faut que je descende. Ah, je peux pas l'éviter, elle non plus. Hop, un Fantominus. Bon, on doit approcher de la fin de la tour, je pense. Hop. Voilà. Donc là, un item. Un super bonbon. Merci. Et voilà. Oh, le repousse qui se termine juste à ce moment-là, c'est bien. Et donc ça, c'est le Pokémon mystère, un spectre. Et en fait, c'était un ossature. Je peux pas y aller au tunnel parce que c'est un Pokémon sol, je crois. Hop. Bon, la griffe fera l'affaire. Hop. Au pire, lui, il me fera des attaques sol qui me feront pas très mal. Pardon. Attends, masse d'eau, c'est une attaque sol normalement. Ok. Bon voilà, on a libéré la maman d'Osley, hein, retourner au paradis, en ce qu'on suppose. Hop. Hop. Et donc maintenant nous allons avoir la Ligue Pokémon, enfin pas la Ligue, la Team Rocket, pardon. Oula. Hop. Oh, ah, j'ai pas remis de repousse. Un Fantominus. Level 25. Non, je vais pas le capturer. En fait, je vous cache pas que j'aimerais capturer un spectre pour ma team future. Mais on peut trouver des Pokémon avec des levels beaucoup plus hauts que 25. Donc je vais pas m'en priver. Hein. Hop. Hop, double pied. Bon. Bon, ça lui fait pas grand chose. Alors que ça lui fait pas mal de dégâts quand même. Ça lui fait la moitié de la vie. Hop, donne-moi des sous hein, si tu veux. Hop. Wow, un critique. Bon, bah voilà. C'est plié. Au revoir, Miaouss. Bon, Nidoking, ça doit lui faire plaisir. Voilà, niveau 18. Hop, Arbok. Je vais garder Nidoking parce qu'Arbok est un Pokémon poison.
comme Nidoking qui est un seul poison. Donc là, Darvenin va rien lui faire. Un de dégâts, voilà. Par contre, j'aurais pas dû faire double pied, ça va ne rien lui faire. Ouais. Bah, éboulement. Waouh, je me suis pris un critique de Darvenin, j'ai perdu 3 PV. Ok, éboulement qui a une attaque roche. Ah, ça enlève pas des masses. Ça, par contre, ça va enlever des masses. Ok, je m'en prends une deuxième, je meurs. Bon, dans le doute, hein, je vais essayer de le finir avec Nidoking. Darvenin, c'est bon, je survis à ça. Hop, un petit éboulement critique. Ah bah non. Ah bah voilà, appui Nidoking. Hop, Reptincelle. Intimidation. Sérieux, il y a une attaque de paralysie. L'intimidation me dit strictement rien comme attaque. Voilà. Ah bah, c'est Reptincelle qui récupère l'XP. Hop. Hop. Purée. Paralysie de merde. Oh, puis Détritus, ça fait mal ça. Ah ouais. Bon, je vais tenter une attaque. Bon. C'était risqué. Hop. Avec quoi? Allez, Pikachu. Wow. Purée de poids, ça va faire mal ça. Bon. Je lui fais rien. C'est abusé. Bon, par contre, lui, il m'a fait mal. Bon, bah, je vais aller au trio Picker, hein, pas le choix. Je voulais que mes autres Pokémon gagnent un peu d'XP quand même. Hop. Voilà, c'est très efficace. Bon, la Team Rocket est vaincue. Hop. Un Fantominus. Bon, on verra plus tard. Je vais d'abord aller voir le monsieur Fuji. Pour qu'il me donne la Pokéflûte. Purée. Foutez-moi la paix. Hop. Hop. Voilà. Allons, nous avons sauvé monsieur Fuji. Hop. Pardon? Non. Oh merde. Bon. Là, je dois vous dire que j'avais oublié qu'il le téléportait dans sa maison après qu'on lui ait parlé. Bon, il me donne la Pokéflûte, hein, mais. Sauf que du coup, si je veux un Pokémon spectre de haut level, il va falloir que je retourne dans la tour. Hein. Purée. Bon, allez. On va soigner tout le monde. Sachant qu'ils sont assez galères à attraper, enfin à toucher en fait à cause de leur insensibilité aux attaques physiques. Hop. Voilà, donc bon, je vais sauvegarder quand même. Parce que bon, j'ai pas envie de me retaper la tour. Une nouvelle fois. Hop. Il me semble quoi qu'il faut que j'aille dans les hauts niveaux de la tour pour choper des Pokémon de haut level. Allez, on y va. Sachant qu'il y a des dresseurs que je n'ai pas affrontés, donc un Fantominus. 21, trop bas pour moi. Hop.
M'en fous, j'aille là. Purée. Allez, un Fantomius. Le level 20, 27 ou plus, ce serait bien. Et là, je regrette de ne pas avoir attrapé les deux Fantomius level 27 que j'ai eu juste avant d'aller voir Monsieur Fuji. J'étais con maintenant. Pourquoi j'étais voir Monsieur Fuji d'abord? Bon, bah, là, c'est bien 5-10 minutes de perdu. Hop. Ça va faire les affaires de Yakipon pour. Dans le cadre de notre petite course. Donc nous étions dans des temps similaires. Hop. Bon. Bon, allez. Purée, un 21. Mais merde. J'ai pas croisé un seul Pokémon avant le... avant le dernier étage. Un Osselet. Ah oui, c'est vrai, on peut croiser des Osselets ici. Désolé Osselet, mais je m'en fous royal de toi. Ouais, mais du coup, maintenant, faut que je passe là. Hop, c'est un soin. Hop. Un Fantominus. 23, trop bas. 27 minimum. Hop, bah j'ai un item à récupérer là. Oh, bah une pépite, c'est cool. Hop. Un Spectrum. Ouais, ça, on peut croiser des Spectrums aussi. 22, bordel. Hop. Ouais, faut que j'aille en haut. Putain, c'est vrai, j'étais en repousse. Eh ben, il a pas marché des masses, hein. Un Fantominus. Allez, 27 ou plus, 27 ou plus. 22. Bordel. Ce temps perdu, quoi. Je suis pas une personne qui rage, mais pourtant là j'aurais raison de rager. Hop, purée. Mais je suis à l'avant-dernier étage, vous pouvez me quand même. Je vérifie s'il y a des items au passage, hein, des items cachés. Ouais, je suis au. Non. Bon bah, dernier étage. Donc je sais qu'il y a des Pokémon level 27 ici, je les ai croisés avant d'aller voir Monsieur Fuji. Allez. Ah bah voilà. Bon. Darvenin, c'était une mauvaise idée, c'est un Pokémon poison, ça va rien lui faire. Exact. Non. Du coup je peux pas y aller avec des attaques physiques. Oh là, les chouilles. Éclair. Oh purée. Ouais, mais j'ai la Pokéflûte. Bon, on va l'utiliser maintenant. Du coup, ça veut, je suis en train de voir que j'ai un réveil dans mes sacs qui me sert à rien. Je le vendrai plus tard. Hop. Oh, 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 oh. Éclair. Ah non, bon, ok. Fantominus le plus rapide. J'ai rien dit. Bon. Je vais tenter une attaque tunnel de Reptincelle. Oh purée, on de folie. Bon, il arrive à creuser, mais par contre, faut que la deuxième fois, faut aussi qu'il réussisse à attaquer. Et bah, c'est loupé. Les chouilles. Bon, ça, ça... Ah, ça sent mieux. Bon, bah tant mieux. Oh! Oh, c'est beau. Bon, bah, j'ai plus qu'à l'attraper. Je... Wow.
En même temps, je peux pas lui descendre de 1 PV de plus, quoi. Heureusement qu'il est capturé. Bon, voilà. Fantominus capturé. Non, voilà. Nous allons maintenant retourner au centre Pokémon. Hein. C'est là que l'attaque tunnel est très pratique. Voilà. Bon, je vais me soigner. Ouais, soigner d'abord. Maintenant, maintenant que nous avons la Pokéflûte, nous allons chercher un autre Pokémon qui fera partie de la team finale. Nous allons chercher un Ronflex. Donc, hop. Sauvegarde. Je vais quand même sauvegarder mon Fantominus, hein. Je le prends pas tout de suite, je prendrai Ronflex et Fantominus en même temps. Et on va aller à Céladopole. Par contre, vu le sac à PV qu'est Ronflex, je vais y aller quand même. Hop. Ah, c'est vrai, j'avais encore un repousse. Hop, là. Et le Ronflex est ici. Non, pas le super bon, pas tout de suite. La Pokéflûte. Il est tout grognon. Oh, c'est mignon, il est tout grognon. Voilà. Donc, level 30, c'est quand même assez élevé. Et comme je disais, c'est un putain de sac à PV. Et en plus, il a mis de l'aspect. Hop, repos. Allez. Voilà, pourquoi c'est un sac à PV. Et en plus, il n'arrête pas de se régénérer. Et encore en Gen 1, il n'y a pas l'attaque ronflement, je crois, qui apparaît plus tard, qui fait que tu fais des dégâts quand tu dors. Purée. Bon, ça va être long, je pense. Il va falloir l'avoir à l'usure. Je le tente. Si je fais un autre tunnel, je le tue. Coup de boule. Aïe. Amnésie, donc il hop son spé. Griffe. Amnésie. Je vais essayer d'aller avec Papillusion pour l'endormir. Faut surtout pas qu'il fasse repos maintenant. Mais comment je vais y aller? Je vais tester un truc. J'y vais avec le Pikachu et je vais paralyser le Ronflex. Je suis pas sûr que ça marche. Enfin, si, ça, la paralysie va marcher, mais je me demande, est-ce que du coup il va pouvoir choper le statut sommeil maintenant qu'il est paralysé? Bon, c'est un one shot du Pikachu par contre. Hein. Ben oui, donc je vais appeler un autre Pokémon. Papillusion, ouais, du coup. Quoique. Allez, Reptincell. Tu vas faire une petite attaque tunnel. Ah bordel! Ok, donc il peut jarter la paralysie pour choper son sommeil de repos. Ok. Bah c'est bon à savoir, même si ça m'emmerde. Bon, j'ai fait aucun dégât. Bon, coup de boule. Au revoir Reptincell, c'était un plaisir de te voir. En effet, c'est un one shot.
Bon, faut que j'y aille à Triopiqueur. Voilà, donc j'enlève beaucoup de PV. Purée, il s'est encore endormi. Allez, tunnel. Voilà, il se réveille. Je fais une griffe. Amnésie, c'est bien, Amnésie. Une deuxième griffe. Allez, refais une attaque. Coup de boule. Ok, au revoir Triopiqueur. Bon. Papillusion. Oui, j'attaque en premier. Bon. Là, il s'est endormi, mais pas avec repos. Donc, du coup, je peux continuer de lui faire des dégâts. C'est bon, je vais rien enlever là. Ouais, sauf que c'est ma seule attaque qui fait des dégâts. Ah ouais. Ah ouais, non. Non, ça va pas être possible ça. Hop. On va tenter, il est endormi, il est dans le rouge. Donc ça suffit pas. On va continuer de dormir, c'est bien, continue de dormir. Choc mental. Voilà. Putain, le coup critique ridicule quoi. Alors surtout ne te réveille pas. Putain. Hop. Mon deuxième Super Bowl, ça ne passe toujours pas. Purée, il se réveille. Poudre dodo. Aucun effet. Non. Oui. Oh purée, je peux plus le rendormir. Oh, ça va être la plaie. Oh purée. Oh, c'est la plaie. Hop. Je peux pas lui faire de dégâts, je vais le tuer. Oh, cette blague. Il est capturé. Je, tu me trolles. Donc tu... Je, tu refuses que j'attrape ce Pokémon quand il est endormi, mais par contre quand il est réveillé, pas de soucis. Ok. Voilà, donc nous allons récupérer tous nos Pokémon. Et les soigner. Hop. Vous avez besoin de stocker deux Pokémon, donc désolé Papillusion et désolé Rookool. Je récupérerai Rookool quand j'aurai besoin de vol pour l'instant. Parce qu'à terme, le vol sera sur Dracaufeu. Mais Reptincelle évolue en Dracaufeu au level 36, donc c'est pas tout de suite. Alors ce serait bien qu'il up. Donc maintenant que j'ai le Ronflex, je vais pouvoir utiliser les CT que j'avais stockés. Et en fait, Ronflex peut apprendre vraiment tout et n'importe quoi. Donc là, il va apprendre Tonnerre. Et il va apprendre Laser Glass. Hop. Hop, voilà, Laser Glass à la place de Amnésie. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Bah c'est tout. On va utiliser Super Bonbon quand même. Ah c'est vrai que j'ai pas mal qui sont morts. Hop. Hop, nous allons soigner tout ça. Et on va pouvoir aller faire l'arène de Céadopol enfin. Sauvegarder avant quand même. Donc là avec Triopiqueur, Ronflex et Fantominus, ça devrait passer easy. Hop. Objet. Oula. Ouais, je suis en train de réfléchir à ce que j'ai, mais oui.
Ça devrait passer easy, donc pas besoin d'aller chercher de nouveaux objets. Hop. Ah, j'ai besoin de trio piqueur pour la coupe. Voilà. Voilà. Non. J'ai évité la majorité des dresseurs. Voilà. Coupe. Donc j'ai la championne Rika et celle aux cheveux noirs. Donc faut d'abord que je me débarrasse de cette dresseuse. Qui a un seul Pokémon en plus. 9-9. Bon, par contre, Trio Piqueur va m'être assez inutile à cause de son type sol. Type qui est faible contre les Pokémon plantes. Donc il suffit que je me prenne une attaque plante et adieu Trio Piqueur. Sachant que la plupart des Pokémon plantes sont aussi poison. Par contre là les attaques poison font que... Enfin je résiste beaucoup aux attaques poison. Mais bon si je me prends une attaque plante il disparaît donc on va éviter d'utiliser Trio Piqueur. Là contre le 9 ça allait mais je vais faire un changement juste après. Et pour être safe, je vais y aller avec Fantominus. En fait, du coup, je me. Les attaques physiques, je suis insensible. Et je suis insensible aux attaques poison. Enfin, très peu sensible aux attaques poison à cause de mon double type poison. Hop. Non. Non. Alors, onde folie, hein, c'est toujours un bon début, onde folie. Ça fait que une partie des attaques ne passeront pas. Il me semble que Ténèbres a fait plus de dégâts que les chouilles. Hop. Il se fait des dégâts tout seul. Bon, pas énormément. On va voir les chouilles. Ah ouais, non, ça fait rien les chouilles. Ah oh, purée, d'accord, j'ai la constriction qui m'a... Ah, il n'est plus... Mais ça me fait zéro dégâts. Par contre, ça me fait zéro dégâts, je suis insensible, mais ça me bloque quand même mon tour. C'est quand même assez fou. Hop. Bon, voilà. Casse-toi, sac de nœuds. Sac de nœuds qui est le seul, si je dis pas bêtise, le seul Pokémon plante pur de la première génération. Par exemple, Boussiflore est un plant de poison. Sachant qu'on a, ouais, Bulbizarre, Herbizarre, Florizarre, c'est des plantes de poison. Les évolutions de Mister Bossy. Non, ça doit être le seul. Hein. Bah, Neuneuf et Noix de Peau sont des plantes psy. Ouais, non, ça doit être le seul. Mais là, je suis en train de me demander si j'oublie les Pokémon plantes, mais... N'en déplaise à certains, je suis pas un grand fan des Pokémon plantes, je trouve qu'ils sont assez inutiles. Il manque d'attaque en fait globalement. Et alors le match-up est pas génial avec les Pokémon plantes. À cause de leur double type poison. Voilà, Fantominus level 28. Hop, Ortide. Hop, Long de folie pour avoir la paix. Wow. Ça j'aime pas par contre. Bon ça va être tiens encore. Bon je vais avoir vraiment la paix. Hop voilà.
Voilà, en fait, maintenant, du coup, tout le temps qu'elle est endormie, bah, elle m'attaque pas. Et si jamais elle se réveille, elle a encore leur folie derrière. Bon, prochain coup, c'est bon. Sauf si je loupe. Non, je loupe pas. Bon, bah voilà. Donc, Erika est vaincue. Blablabla. Oh, déjà. Ah, d'accord. C'était 21, c'est quoi déjà? Ah, méga sans tu, je m'en fiche. Hop, on retourne au. Ah, je peux pas utiliser le tunnel dans l'arène. Ah, d'accord. Bon, bah, on va y aller à pied. Hein. Enfin, bref, de toute façon, ça fait déjà plus de 35 minutes que la vidéo tourne, donc on va s'arrêter ici. Donc, je vais juste retourner au centre Pokémon hein, et sauvegarder. Donc, partagez cette vidéo si elle vous a plu. Suivez Vassoun sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, tout ça, vous avez les liens. Et puis à la semaine prochaine. Ciao!